Je les voyais bien, mais mon esprit sentait qu'il recouvrait quelque chose sur quoi il n'avait pas prise, comme sur ces objets placés trop loin dans nos doigts. Seulement par instant l'ombre l'aube sans arriver à rien saisir. Je Wow.
Thank you.
before him, in midstream alone, and still gazing out to sea, she seemed like one who magic had changed into the likeness of a strange and beautiful scrivi una poesia per me, oh, disse, se scrivi, devi metterci che ti aspettavo a gap, che piangevo tanto se davvero scrivi per me, disse, oh, devi metterci che anche mio fratello Alessandro piangeva, che ti aspettava, che piangeva tanto, e che ho dormito quella notte in albergo, devi scrivere, disse, oh, devi scrivere che a Pompei sono tutti morti, che i fascisti sono cattivi, che i numeri non finiscono mai. Thank you.
Cette expression de surprise stupide d'un mort, la bouche bêtement ouverte, les yeux ouverts aussi regardant sans la voir cette étroite bande d'univers qui s'étendait devant lui, ce même mur aux briques rouges foncées, les briques trapues courtes et épaisses, d'une matière grenue, les plus claires tachetées de cendre sur un fond couleur rouille, les plus foncées couleurs de sang séché, d'une pourpre brunâtre allant parfois jusqu'au mauve sombre, presque bleu, comme si la matière dont elles étaient faites avait continué des scories ferrugineuses du mâche-fer, comme si le feu qui les avait cuites avait pour ainsi dire solidifié quelque chose comme sanglante, minérale et violente de la viande à l'étal d'un boucher, même lieu en salon de l'orange au violacé, le cœur même, la dure et pourpre chair de cette terre à laquelle elle était collée pour ainsi dire ventre à ventre, les joints plus clairs faits d'un mortier grisâtre dans lequel il pouvait voir enchâsser les grains de sable, une herbe sauvage d'un vert délicat, poussant irrégulièrement tout contre la base du mur, comme pour dissimuler la ligne de jonction, la charnière, la rétinidienne formée par le mur et le sol. Et un peu avant, le départ des fortes tiges, dont la visière de son casque empêchait de voir le haut. La fleur ou les bourgeons, peut-être des roses premières ou de jeunes peuples sombres. Quelque chose de pas chanson, de brume rugueuse, minérale et sanglante, d'incroyablement tendre, immatériel, les brins d'herbe, à peu près immobiles, seulement agités parfois d'un faible frisson, les tiges vigoureuses des hautes plantes, absolument immobiles, ailes, les larges feuilles, palpitant mollement de temps à autre, dans l'air calme, tandis que de la route continuait toujours à parvenir ce gigantesque vacarme, pas le canon, on ne l'entendait plus maintenant que lointain, sporadique, dans la paisible et pure fin du jour, comme les dernières soubresauts sans conviction attardées et conventionnelles de la bataille, comme ces gestes, ce simulacre de travail, cette activité de façade, que des employés ou des ouvriers. Was sind das für Zeiten?